T-Weezy on the track, T-Weezy on the track. Baby boy the prince. Beat time on Cash Monroe. Extreme entertainment. Ooh, this is the way I live. Little boy still pushing big wheels. I stack my money, lay low and chill. Don't need to work hard, that's the way I feel. I feel like this is the way I live. Little boy still pushing big wheels. I stack my money, lay low and chill. Don't need to work hard, that's the way I feel. Et regardez qui je viens de retrouver. Ok, on réalise pas du tout. Ouais, vraiment, ça fait 10 mois qu'on s'est pas vu. Bon, les gars, on vient d'arriver. Petit room tour, mais avant tout, il y avait un putain de cafard dans la douche. Bon, en vrai, normal, on est à Bali. On va chercher les mecs à l'accueil. C'est pas le mec qui l'attrape avec ses grosses mains, hein. Il l'a chopé comme ça. Ça me dégue. Bref, room tour. Donc, on arrive là. Hop, directement, on est dans la salle de bain. La diva, dans son lit douillet. C'est faux, il est tellement pas douillet. Il est hyper dur, mais en même temps, regardez la taille du matelas. Hyper spacieux et tout. Et là, hop là, terrasse, elle est incroyable. Et ça donne sur un petit ruisseau. Bon là, il n'y a pas d'eau, mais ça sent que c'est un petit ruisseau de base. Bon les gars, ça va pas parler chinois, bah, je vous le dis tout de suite. Hein. Quand même à Bali, elle est plus vite que ça. Là, on est en train de check out du coup de l'hôtel. Oula, cette luminosité. Le gars, il fait trop bon. Genre, il fait pas 40 degrés, il fait été sud de la France. Hyper agréable. On s'en va chercher à comer. Parce qu'on a un peu la dalle quand même. On n'a pas mangé depuis l'aéroport. Bah écoutez, on a trouvé un petit truc qui s'appelle Warung Titi sur le bord de la route, vraiment, on descendait. Très stylé, très sympa. Là, on vient de monter dans un Grab, c'est les taxis d'ici, et on est en route pour le nouvel hôtel. Ça se passe en hôtel d'ailleurs, c'est un Airbnb. Je suis choquée d'où on est. Attention, room tour. On arrive par un petit escalier. Hop, porte. With my best lover. Et là, les gars, on est au milieu de la jungle. C'est une dinguerie. Avec notre propre piscine, notre baignoire. Attention, j'arrive tout de suite sur la baignoire qui est quand même assez excellente. Ça sent bien l'herbe. Ah, j'ai un galet sous le pied. Attention, petit galet. Il y en a une qui bosse ici. C'est bien. Puis il y a les autres, quoi. Là, on s'est posé. J'aide Lucie à taffer un peu. On s'est commandé des petites pasta carbo. Petit mango juice. Et on regarde la pitch. On a commandé des petites pizzas. Avec des nems balinés. Bah, je sais pas comment on dit. Et on va se mettre nouvelle école devant tout ça. Ça va être plutôt sympa si t'arrives à les ouvrir. Meuf, on va complètement. Oh là là là. Se régaler. Hey Lucie, comment ça va aujourd'hui? Ça va super et toi? Super. Qu'est-ce que tu fais? Je sirote une petite strawberry milkshake. Oh, wow. Et je termine mon assignment. Oh waouh, regardez ce qui arrive. Oh. C'est fantastique. Yeah. Yes sir. Thank you. Hello. La piscine. Archi mignon. Mais c'est si mignon. Meuf, le meilleur choix qu'on pouvait faire. Ouais, de ouf, ça me perturbe. Laisse-moi ma place, s'il te plaît. La salle de bain, les gars. Hyper mignon. Franchement, très sympa. Ils kiffent les galets ici. Hop là. C'est ouvert sur l'extérieur.
Say hi. Voilà, c'est hyper mignon. Et la petite vue sur la piscine, le petit jardin. C'est hyper mignon. Et lui, il est hyper sympa. On l'adore. Franchement, que demander de plus? On a fait une petite pause douche, etc. Et là, on est en route pour aller en ville. On va enfin découvrir la ville d'Ubud. Où on va se faire une petite session spa, massage. Et après, on va manger là-bas. Et ça va être cool. Voilà. Regardez la petite cozy girl là. I'm a cozy cozy. Très sympa. On my way to the spa. Ouais, ça fait trop. Petit outfit of the night. Hello. Et on vient d'arriver au truc de massage là. Du coup, on pose nos petites affaires et après, c'est full détente. C'était incroyable, genre un super bon massage. Là, on cherche un ATM. On est en centre-ville. Il y a beaucoup de bruit. Après, on va trouver un truc pour manger. Et voilà quoi. On a trouvé un petit resto sur le bord de la route du coup. On a commandé deux cocktails à en faire. Et un du chicken. Daiquiri. Ouais, des petits daiquiri. J'ai jamais goûté, mais Lucie m'a dit que c'était hyper bon, donc on va goûter ça. J'ai pris un plat qu'apparemment Mr. Obama kiffait. Donc let's go, on va tester ça. Et Lucie, tu nous as pris quoi? Un petit je ne sais plus. Et là. Et là, on est rentré, là, on est devant une nouvelle école. Au Circle K, on a pris des tangos, petites gaufrettes vanille, un rouleau d'algues et des chips vraiment pas bonnes. Ridere e fare l'amore. Ridere. Festa. On est à la Rise Terrace. C'est incroyable, regardez-moi ça. C'est très beau. Regardez-moi ça. Regardez. This is illegal. Illegal. Regardez la taille de l'escalier. De la marche, c'est pas normal. Je te donne mon tel. On s'apprête à faire de la petite balançoire. Vers ici. What is that? Oh, t'es beautiful. Bonjour mes sœurs les nonnes. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans le petit monastère des Rise Terrace. Ok. On a eu droit à une petite noix de coco, petite robe et petite balançoire. One leg up. Et par contre, est-ce qu'on peut parler de ça? Genre, il y en a un seul dedans. Hyper drôle. Personne n'a sa dignité. Outfit of the night. Ça part au rafting. Ça part au rafting. On va pagayer. On va pagayer. 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 Pagayer.
pagué. Tami l'a pagué. The local people, they sell soft drink like dindang. Okay, what? Buy like a dindang. Okay. Thank you. Thank you so much. How do you say cheers? Bersulang. C'est hyper mimi ici. Ils font des petits pots d'eau, enfin des petites briques. C'est grave chou. C'est genre ça bloque notre chambre, genre notre sécurité. Bon alors, update. On a changé d'hôtel. On voit pas du tout. Il fait très nuit. Bye. Bon alors, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Enfin, j'ai plus de stockage, donc je filme avec mon tel. On repart demain matin à Nusa Penida. Et là, on vient de se faire masser. Et là, on est à Yunnan Warung and Coffee qui nous sauve la vie parce qu'il n'y a plus rien à manger, il est 23h. Demain on part à 5h du mat. Eh, des petits infouflus. Mmh.